Et salut tout le monde, c'est Skerry et on se retrouve sur Sceaux, donc là où je vous avais laissé la dernière fois devant cette salle d'opération. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais m'excuser par rapport au mauvais son un peu qu'il y avait dans le premier épisode au niveau du bruit de mes joysticks, tout ça. Donc là, vous entendrez peut-être encore un peu le bruit, mais logiquement, ça devrait être mieux. Donc voilà, je vais également essayer de parler un peu plus fort pour que vous me compreniez mieux. Et j'avais oublié de dire un truc aussi, c'est que Sceaux, c'est un jeu que j'avais acheté 3 € en vite poignée. Donc, bah pour l'instant, pour 3 € voilà, je trouve que c'est bien, que c'est un jeu que je trouve pas mal. Voilà, donc on va continuer. D'accord, donc là, parmi ces 4 corps-là, il va falloir que je découpe le bon. Donc, je sais pas vraiment comment faire. Il me semble qu'il a parlé d'une femme. Merde! Ah non, je voulais pas faire ça là, par contre. Ah, je voulais pas faire ça, je voulais lire son nom. Ah merde, maintenant ils vont me sauter dessus, non? Merde. Il est pas content. Là, il va venir par là. Bon, bah, on s'en occupera quand on repartira, tout au pire. Alors, attendez, là, c'est quoi le nom? D'accord. Un effonneur. Semble que c'est Tom. Ça, c'est. Il me semble qu'il a parlé d'une fille, peut-être juste là ou avant. Marvin Johnson. Ouais, d'accord. Donc là, logiquement, c'est celui-ci. Il faut que je découpe. Logiquement, c'est celui-ci. Ah, ouais, apparemment, c'est bon. Voilà. En fait, j'ai pas trop compris quand on plonge la main là-dedans, parce qu'en fait, dès qu'on appuie sur A. Non, non. Not again. I passed your test already. Yet you did not learn your lesson. I'm sorry, okay? I couldn't help it. Of course you could. You chose to let your addiction consume you again and again and again. D'accord. Voilà. Alors le bonhomme, là. Ah, attendez, je vais peut-être reprendre mon tuyau. Il est là. Ah. Que je peux me défendre avec mon tuyau, non? Comment on fait pour se défendre déjà? Comme ça, comme ça. Pas se défendre? Ah ouais, je sais plus. D'accord. Ouais, donc là il doit être derrière la porte. Il est là. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, son truc va lui péter à la tête. Je vais attendre que ça lui pète dans la tête. Et voilà, il est mort. Quel dommage. Bon, un peu de pansement. Tuyau, bon bah, c'est le même tuyau. Bon, alors attendez, là j'ai la clé. Est-ce qu'il y a d'autres. La clé c'était pour ouvrir une porte qu'il y avait un peu avant. Ah tiens, là, on a une armoire. Alors là, je suppose qu'il faut aligner les. Tac, tac, tac. Merde, je fais trop tôt. Tac, tac. Voilà. Petite seringue de santé là encore. Ça peut être utile. Bon, on va continuer par là. Faut revenir un peu en arrière, là, histoire de retomber sur la porte. Il fallait que j'ouvre. Ouais, c'est cette porte-là, à mon avis. Ouais, tac, tac. Voilà, il y a un bonhomme. Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est dommage pour lui. Attendez, je regarde si j'ai bien. Oui, c'est bon.
Donc on va continuer. Équilibre sur la poutre. Certains endroits de l'asile sont plus dangereux que d'autres. Utilisez LS pour franchir ces dangers. Et RS pour garder l'équilibre. D'accord. Là, il faut... Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est bon. Je vais donner mon briquet. Il y a des petits trucs à voir. Hein. Vous pouvez la sauver, c'est comme ça. C'est pas rassurant tout ça. Est-ce qu'on va voir le corps avec du bonhomme? Oh non, je sais pas si on le voit trop. Non. Là, il y a une porte, et il y en a une autre. Ah, donc il faut une clé. On va peut-être trouver cette clé là-dedans. Non. Alors attendez, je vais regarder sur ma carte. Puisqu'on a une carte aussi, on peut s'en servir. Sauver la femme dans la salle d'opération. Ouais, les salles d'opération, ça doit être avec les trucs verts. Donc là, faut que je trouve une clé, logiquement. Salle d'opération, ouais. Les pansements. Enfin, bah, je peux pas les ramasser. Ouais, les pansements, ça soigne instantanément. Donc là, vu que... Porte vers la mort. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon. Il y a un casier en surbrillance. Ah oui. Oh, attendez. Petit électronique déverrouillé. Ah, un clou. Bon, là-dedans, il n'y a rien. Est-ce que... Merde. Ah, dès qu'on se loupe une fois, en fait, ça relance le truc. Voilà. Donc, à mon avis, après, ils vont être de plus en plus durs. Bon, là-dedans, on n'a rien. De toute façon, c'est le clou, de façon dont on avait besoin. Non. Qu'est-ce qu'il faut, là? Boîtier électrique déverrouillé. Alors, ah, un ban, encore ouvert. Attendez, les clous, à quoi ça m'avait servi déjà, le clou? Je m'en souviens plus. Quoi est-ce qui m'avait servi? Je peux pas passer là? De toute façon, s'il y a quelque chose à trouver, c'est là-dedans. Ah bah attendez, là il y a une porte. Je l'ai même pas vue. Bon, là-dedans on n'a rien. Ici non plus. Tac. D'accord, donc là c'est de l'autre côté en fait. Là ça veut dire qu'on dirige vers la morgue. C'est pour avancer en fait, c'est souvent des histoires qu'il faut trouver des clés, une boîte qui tue au puzzle. Note non rayée. Selon les premières observations, hein, ça fonctionne bien et semble avoir les pieds sur terre. Patient de 34 ans, marié depuis 2 ans, femme enceinte de 4 mois. Ni la nécessité d'un traitement psychologique, mais a maintenu le rendez-vous à la demande de sa femme. Qui a insisté pour qu'il vienne du fait de sa tendance croissante à l'isolement. Patience. Oh, c'est un peu long à lire tout ça. Bon bah je vais lire quand même parce que ça peut être important.
Ouais, donc en fait c'est le dossier médical d'un patient. Donc voilà. Il n'y a rien là. Lolo, où est-ce que se nomme tout ça là? J'ai perdu moi après. Oh, il y a des portes partout. Mon Dieu. Porte. Ah mince, il y a du verre ici. Mince, mince. Pousse-toi. Ah, j'avais pas vu. Aïe! Aïe! Ah, ça c'est bête. J'ai perdu beaucoup de vie là, je pense. Je vais me prendre une seringue de santé quand même. Voilà. Parce que bon, si on tombe jamais sur un ennemi. Là, c'est bon, il n'y a pas de verre. Tac! Ah oui. J'avais oublié ça, les portes. Oh, bah, j'aurais pas dû prendre une. Ah, un tuyau. Bon, bah, de toute façon, j'en ai déjà un. Bon, mais y a rien à voir là-dedans. Non, à part la boîte de pansement, y a rien. On va descendre là-dedans. Detective Tapp is almost here to release you. He is faster than I anticipated. Tapp? The cop that's been chasing you and interrogating me? Why? He is here to face his obsession and make a choice. Your life will depend on his decision. He let more people get kidnapped, like me? Je sais pas du tout ce que c'est, on dirait encore. Non, y a rien. Ah, un fusible. Ça doit servir. Ah, on avance. Oh là là là. Oh là 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 là. Là, il y a des fils, à mon avis, si je passe dessus, ça va. Ah! D'accord. Ah oui, ok. Bon, je vous avoue que, des fois, j'ai, comprends pas trop bien, hein, ce qu'il faut faire. C'est pas toujours très clair. Bon, ça me ramène là. Detective Tapp is almost here to release you. He is faster than I anticipated. Tapp? The cop that's been chasing you and interrogating me? Why? He is here to face his obsession and to make a choice. Your life. You let more people get kidnapped, like me? D'accord.
D'accord, donc ça c'est un rapport avec ce qu'il y a là-bas, logiquement. Non, pas de rapport. Donc pas les mêmes marques, là. Donc, pas les mêmes marques. Mais je veux juste voir si je passe là. Non, ça va être pas. J'ai pas compris là, vraiment. Ah si, j'ai peut-être compris. J'ai peut-être compris. Alors attendez, je vais voir si c'est ça. Bon, d'accord, hop. Detective Tapp is almost here to release you. He is faster than I anticipated. Tapp? The cop that's been chasing you? Avis, c'est en rapport avec l'arme qu'il y a là. Là, par exemple, j'ai un tuyau. Non, non. Là. Ça va encore être une source de problème, ça, je le sens. Je le sens bien. Bon. Detective Tapp is almost here to release you. He is faster than I anticipated. Tapp? The cop that's been chasing you and interrogating me? Why? To face his obsession and to make a choice. Your life will depend on his decision. You let more people get kidnapped? Like me? Pourquoi là ça fait pas la même trace que tout à l'heure? J'ai bien mis le fusible dans son. Ah non, je l'ai pas fait. Ah! Darkness, pulse, luminous. Ah donc là, ça fait au pistolet. Vu de là, on a un pistolet. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait qu'ici ça passe un pistolet? Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, peut-être qu'il faut ouvrir. C'est tout simplement qu'il faut ouvrir celui avec le pistolet. Non, on n'a pas avec le pistolet. Ouais, non, on n'a pas avec le pistolet. Ça, c'est une espèce de machette et une. Tac. Et on n'a pas avec le pistolet. Ah, attendez. Ah, bah si, voilà. Voilà. Oh, alors attendez. Utiliser le coupeur au compte. Bon là ça va péter sûrement. Utiliser le coupeur au point de sécurité. Et tout ce que je sais, c'est qu'ici, ça a ouvert une brèche.
attendez, mais c'est quoi ce bazar? J'en viens, ici. Voilà. Petit bug, là, j'ai eu. Il n'y a rien ici. Ici. Alors là, on a de l'ammoniaque. Du gluant. Ah, une batte. Une batte. Ouais, re tout le monde, excusez-moi. C'était ma grande sœur. Ah, alors attendez. Que là. Ah, il y a un bonhomme là. Oh là. Stay away from me. Il est parti où? Reviens. Je fais attention du verre. You're too close. Où est-ce qu'il est? You can't shut me out. What did I tell you? Et on revient là. Ah, il n'y avait rien du tout. Une béquille, intéressant. Un tuyau. Alors attendez, parce que là, dans le coup, ça m'a ramené... un endroit. Et je ne sais pas ce que c'est cet endroit. D'accord, merci de descendre. Une cassette audio. Alors attendez que je regarde sauver la femme dans la salle d'opération, mais eh, mais ça j'aimerais bien. Ce que je comprends pas, c'est que là on est arrivé là. Très bien. Tac, là ça forme un pistolet. Très bien. Mais là après. Là, on nous a ouvert ce mur. Il n'y a rien d'autre à apprendre que... quoique l'ammoniaque, ça va peut-être servir à quelque chose. Bon. Utiliser le coupleur au point de sécurité. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai ramassé un coupleur aussi. C'est vrai. Utiliser le coupleur au point de sécurité.
Quelque part là. Au point de sécurité. Ah, le point de sécurité, c'est peut-être la porte avec tous les trucs verts. Non. Je ne pensais pas. Ah, c'est ça le point de sécurité. Voilà. Bon. Non, attendez, sélectionner. Tac. Tac. Alors, attends. Ah, c'est bon? Non. Explorer les bureaux. Tu peux aller bureaux, je veux bien, mais bon. Les bureaux, c'est-à-dire les bureaux. Les bureaux. Explorer les bureaux. Ah. C'est celui-ci. Ah, d'accord. C'est pas ça, explorer les bureaux? D'accord. Ah, des fois je passe vraiment à côté de trucs tout bêtes. Hein. Bon. Un petit loup. Donc ça c'est une lumière. Ah là là, le vert. Je fais vraiment attention à ça parce que... Il y en a plus là. Oh là là. Tac. Un téléphone. Ah là, on est une brèche. C'est ma belle béquille. J'essaie de changer un peu d'arme parce qu'en fait, sur ce jeu, il y a plein de succès. C'est tuer une personne avec cette arme-là, avec cette arme-ci. Donc, comme ça, au moins, ça me permet en plus de diversifier un petit peu les armes. Que vous en voyez d'autres. Voilà, voilà. Bon. Cadavre. Ah oui. Il n'y a rien. Tuyau. Voilà. Parfois, le verrouillage d'une porte ne suffit pas pour empêcher les ennemis d'ouvrir une porte verrouillée. Déplacer un objet lourd devant la porte en appuyant sur A tout en vous tenant à proximité d'un objet de barre. Voilà, voilà, voilà. Aïe! I have to do this. Non! Il est mort? Ouais, c'est bon, il est mort. Attendez, parce que j'ai pas compris de quoi ils ont parlé avec. Je vais utiliser une autre seringue de santé là, parce que. Je sais pas si c'est très utile de faire ça. Mais bon. Ce que je sais, c'est que ma santé était assez basse.
Il y en a plein des cryptos. Ce détail, je pense pas que ce soit intéressant pour avancer. Une petite seringue de santé, voilà, ça va m'approvisionner un peu. Bon, alors là, je vous avouerai que je sais pas vraiment où faut aller. Bon, attendez, on va regarder l'objectif, sauver la fleur, explorer les bureaux. C'est ça là, les bureaux? Parce que bon, les bureaux, c'est un peu vague, hein, les bureaux. Tac tac tac, alors attendez, kitchen, on est dans la cuisine. Hop, hop. Je suis venu par où? Vous voyez le bonhomme là? Non, non, c'est pas ça. Attendez, je suis venu par où là? Parce que déjà, cette lumière là, je l'ai vue. Cette lumière là, non, ça peut être une autre. C'est ça en fait. Il faut que je me souvienne de par où je suis venu, parce que sinon après je suis totalement paumé. Voilà, je suis venu de par là. Ah oui. Ah ouais. D'accord. Je suis pas passé par là. The desk in front of you holds the badge of the partner you failed to protect. Fitting, since it also holds the key to free the witness you chose not to protect. Remember her name, detective? Or did you squeeze her for information and throw her away? You have the key to her chamber. Hurry, or she will join the fate of your late partner. Sing. I'm so sorry. D'accord, bon. Ben nous, je pense qu'on va se le laisser ici, hein. Parce qu'on a atteint 35 minutes de vidéo, voilà, voilà. Donc, on va se laisser ici. Voilà, donc là, je vous avoue que... Puis après, je sais pas par où je vais devoir aller. Par ici, peut-être. Non. Ici, c'est scellé. Bah ici maintenant c'est scellé aussi. D'accord, d'accord. Doit être par là la suite. Hein. Ouais voilà, la suite c'est par là. Donc je vais refermer bien sagement cette porte. Et donc on se retrouvera ici pour le prochain épisode, le 3e épisode. Donc qui sortira bien lundi prochain, voilà. Un épisode tous les lundis. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne continuation, et je vous dis au prochain épisode. Salut !